www.casarima.fr. Huit heures du temps de chasser les démons. Oh, la meilleure façon de chasser les démons, sans mettre une heure, deux heures du temps, c'est par l'adoration. Frère. Pourquoi? Selon la prophétie, nous rentrons en Genèse. Quand il s'agit de l'adoration, hommage, c'est consterné. On parle d'un homme. Cet homme, c'est Judas. Judas. Il doit y avoir à corps des instruments et des paroles. Tout doit s'harmoniser pour faire descendre la gloire. Là, il descend. Quand il descend, frère, il descend sous forme du lion. Le lion est le roi de tous les animaux. Par rapport aux Écritures parlant des animaux, nous voyons les esprits. Dieu est le chef de tous les esprits. Il coordonne tous les esprits. Il est le roi de tous les esprits. Quand lui se lève, aucun esprit ne peut bouger. Aucun esprit, même l'esprit de ton grand-père, ça ne peut pas bouger. C'est pourquoi, par son esprit, nous pouvons chasser l'esprit de ton grand-père. Nous pouvons briser le mariage de nuit qui t'a fait contacter au nom de Jésus. Nous pouvons ordonner à la maladie des ténèbres de quitter ton corps. Ça va obéir parce que nous agissons en ayant l'esprit supérieur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui nous suivez de partout, vous qui aimez l'évangile que nous vous apportons, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Et nous profitons de cette opportunité pour bénir le mois de juillet. Je déclare ce mois un mois mis à part pour la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous venons auprès de vous pour solliciter votre aide, votre soutien, parce que l'Assemblée chrétienne montagne de Rephidim a un problème de la place. Nous devons déménager d'ici le 15. La place que nous louons, on avait fait le contrat avec la maman de la BRS qui n'avait pas tenu sa fille informée. Et sa fille a obtenu un crédit de 100 000 $. Elle s'est décidée de venir commencer les travaux. C'est ainsi, la maman qui est venue de l'Afrique du Sud pour se faire soigner, elle nous a informé le 30 juin que nous devons déménager parce que sa fille, qui est la propriétaire, vient pour commencer les travaux. Et par le fait qu'on avait déjà commencé l'opération achat parcelle, nous avions jugé bon de pouvoir accélérer cela au lieu de chercher une place quelque part qu'on puisse acheter la parcelle qu'on nous avait proposée. On nous avait proposé deux parcelles. Une, c'est déjà parti. Il reste une parcelle et c'est à 190 000 $. Nous venons auprès de vous, hommes qui ont un bon cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est en rapport avec Exode 25. À partir du premier verset en descendant, Dieu a dit à Moïse, construis les tabernacles. Mais pour les matériaux, il a dit au peuple de donner les offrandes pour la construction. Aujourd'hui, je viens comme Moïse et Rephidim comme étant le tabernacle de Dieu et ton argent comme l'offrande pour la construction. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a aussi une histoire de Saul qui persécutait l'Église. Et quand Christ lui est apparu, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire, autant de fois qu'il persécutait l'Église, c'était Jésus qui persécutait. Nous pouvons dire aussi, autant de fois que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, c'est Jésus que tu soutiens. Nous tendons la main vers toi. Toi qui as un bon cœur avec 1 €, 10 €, 10 000 €, pourquoi pas 100 000 €? Pourquoi pas une personne pour dire, moi je vais donner 190 000 € pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Jésus-Christ a besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien, de ton aide. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci de votre soutien. Nos numéros de compte sont affichés sur les bancs de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Matondi Jésus.
Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est notre raison d'être d'adorer, d'élever, d'exalter. Jésus, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Toi seul es digne de gloire. Nous sommes debout, nous allons profiter pour faire la lecture. Un enfant de Dieu doit aimer la parole. 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13. On lit le verset 13 et tu prépares aussi psaume 22, verset 4 et le verset 26. Psaume 22, 4. Verset 26. Vous y êtes? Toza. Vous y êtes? De Chroniques 5, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. On peut commencer au niveau au verset 12. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Jedutu, leurs filles et leurs frères, revêtus de busi, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ça veut dire les sacrificateurs, n'est-ce pas? Et ceux qui chantaient, les lévites, n'est-ce pas? Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord. C'est bon? Ouais, tu cherches? Oh, Lucas. C'est bon? Deux Chroniques, chapitre 5, verset 12 à 13. C'est bon? Ok. Le verset 13, je reprends. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ces moments, hein? En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une, église répondait, d'une, à quel moment? Quand il sonnait des trompettes et les lévites chantaient avec des cymbales et d'autres instruments. En ce moment-là, alléluia, ils élevèrent des voix, car ils disaient, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pendant que on sonnait des trompettes, on chantait avec des cymbales et d'autres instruments. Pendant que les voix s'élevaient pour dire à Dieu, tu es bon. Ta miséricorde dure à toujours. La Bible déclare en ce moment-là, toute la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée de gloire. Qui était parlé. Amen. Nous disons aussi merci à Papa Charles ainsi que Maman Béa. Ils sont venus de très loin. Ils sont venus adorer ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Maman Béa, enfin, qui a déclaré, il n'y aura ni rosée, ni plus sinon à ma parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il devait être épargné de cette sécheresse. Pour être épargné, il devait suivre le mouvement de la bénédiction. Parce que Dieu, par sa parole, il a permis que la sécheresse puisse toucher tout le pays. Mais Élie, qui n'était pas concerné,
de faire vivre une bénédiction. Alors pour vivre la bénédiction, pour être épargné de la sécheresse, il devait suivre le mouvement de la bénédiction. Alléluia. Dieu l'a orienté deux fois. Pour la première fois, il était au torrent de Kéri. Un corbeau venait le nourrir le matin, le soir. Quand le torrent fut à sec, il a compris que le mouvement n'était plus au torrent. Il devait bouger avec Dieu. Et Dieu lui a dit, va à Sarepta. Il y a une leçon qu'on a tirée. Dieu peut créer des bousculades tout autour de toi pour te déplacer, pour te pousser à aller à l'endroit de ta bénédiction. C'est pourquoi dans la vie, quand tu te retrouves dans une situation où tout ne marche, réfléchis et prie. Cherche à comprendre le mouvement. Quand tu comprends le mouvement, Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous étions en train de parler par rapport au grand thème qui est la vision de l'année. C'est ma saison et je domine. C'est ça la vision de cette année. Nous devons dominer. Et nous sommes aux deuxième phase de l'année. Une phase déterminante pour parler la puissance de Dieu. Il faudrait que tout un chacun de nous soit conscient que Dieu veut que tu puisses émerger. Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que tu puisses avoir du succès. C'est le souhait de ton Dieu. Il a dit, je souhaite que tu prospères. Frère, Dieu souhaite que tu prospères. Je parle à quelqu'un. Dieu souhaite que tu prospères. Si tu ne prospères pas, Dieu n'est pas à l'aise. Tu dois prospérer au nom de Jésus. Tu dois prospérer au nom de Jésus. Que la prospérité soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je reprends. Que la prospérité soit ton partage au nom de Jésus. Je parlais de la prospérité. Que la prospérité soit ton partage au nom de Jésus. Celui qui t'a créé, il désire que tu prospères. Même si tes voisins ne veulent pas que tu prospères, ils n'ont pas la puissance plus que ton Dieu. D'ailleurs, ils n'ont même pas le dernier mot de ta vie. Celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est l'Éternel. Et celui qui a le dernier mot de ta vie, il décide que toi, tu prospères. Amen. Allie-toi à la pensée de celui qui t'a créé. N'aie pas peur de ce que les autres peuvent dire. N'aie pas peur de leur projet, docteur. Ils peuvent comploter pour que tu échoues. Mais celui qui t'a créé ne veut pas de ton échec. Il veut de ta victoire. Lui-même, il a vaincu pour te donner la victoire. D'ailleurs, il ne te voit jamais un homme d'échec. Il t'appelle plus que vainqueur. Plus que vainqueur. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est l'amour de Dieu qui a fait de nous des vainqueurs. Un vainqueur est là. Y a-t-il un vainqueur au milieu de nous? Y a-t-il un vainqueur au milieu de nous? Y a-t-il un vainqueur au milieu de nous? Si tu es un vainqueur, mets-toi debout, crie à haute voix, je suis un vainqueur en nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu es vainqueur. Et le Seigneur a créé les paroles que tu viens de confesser dans sa présence. Il a dit, j'agirai selon vos dires à mes oreilles. Frère, nous devons faire très attention quand nous approchons de Dieu. On nous a donné les vertus de la présence. La présence nous dit. La présence nous éclaire. Ça amène le jugement dans le camp de l'ennemi. La présence de Dieu facilite le travail. La présence de Dieu nous sert de couverture. Ils peuvent venir par derrière pour te toucher, pour te faire du mal. Ils trouveront qu'il y a une couverture de la présence de Dieu qui leur empêche de te toucher. Nous ne pouvons pas négliger la présence de Dieu. 2 minutes d'adoration, 6 heures du temps d'appel de fond. Ça, ce n'est pas un culte, frère. Le véritable culte, c'est quand Yehoshua Mashiach est élevé,
du début jusqu'à la fin. On doit lui donner plus du temps. Nous devons désirer rester le plus longtemps possible dans sa présence. Parce que la Bible déclare, Bible le la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Mais la Bible déclare ceci. Heureux l'homme que l'Éternel agrée dans sa présence. Et David a dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Tu peux faire 40 ans dans les ambiances. Mais une personne fait seulement un jour dans la présence de Dieu. Lui, il est heureux. Lui, il est heureux, il aura des grandes choses plus que toi. Vous savez, à chaque fois que je monte au campus en prière, je me dis toujours, si ces étudiants qui montent tous les jours, après 5 ans, on peut les appeler licenciés en docteur en, hein? Gradués en. Science politique. Moi qui passais mon temps dans la présence de l'Éternel. Numérateur de ceux, les chefs. La présence de Dieu, c'est la richesse de l'Église. L'Église est l'image de Bethléem. Sans le pain, Bethléem n'a pas de sens. Sans le pain, le pouvoir de Bethléem. Bethléem est Bethléem parce qu'elle est la maison du pain. Par manque du pain, les gens de Bethléem sont partis à Moab. Une église sans présence de Dieu ne peut pas attirer les hommes. Les gens viendront non pas parce que nous avons un beau cadre, mais à cause de la présence de l'Éternel. Ta vie aussi est Bethléem. Ta vie aussi est Bethléem. Si tu ne valorises pas la présence de Dieu, ta vie ne sert de rien. Un enfant de Dieu doit aimer la présence. C'est ainsi voulant recevoir cette présence. Il y avait une question auxquelles on devait répondre. Quoi faire pour vivre cette présence? C'est ainsi en répondant, nous avait dit, il faut se sanctifier. Tu dois vivre dans la sanctification. Ça doit être ta vie. J'ai toujours une prière. J'aime faire. Seigneur, qu'on ne me reconnaisse pas par ni moins par les vestes, par les habits que je peux porter. Qu'on me reconnaisse par ta présence. Ta présence, c'est tout. Ta présence, que je prêche sous ta présence. Que je prêche dans ta présence. Que je passe nuit dans ta présence. Que je marche avec ta présence. Frère, si cette présence est avec toi, tu as tout. Je reprends, tu as tout. La présence peut t'attirer le visa. La présence peut t'attirer le mariage. La présence peut attirer la guérison. Parce que sa présence est lui-même. Or, le peuple désire les bénéfices. Les bénéfices de celui qui vit avec. À la place de la personne qui donne les bénéfices. Donne-moi la voiture. Donne-moi la maison. Donne-moi un fonds de commerce. Donne-moi. Mais lui, la personne qui donne, prends-tu ton temps pour le chercher? Il y a un verset que j'avais lu dans la Bible où Dieu dit, ça m'indigne parce que personne ne pose la question où est Dieu? Où est Dieu? Personne. Mais ils veulent de ce que Dieu peut donner. C'est comme qui dirait une femme qui est dans sa maison. Elle est mariée, mais elle ne veut pas de la présence de l'homme. Mais elle veut que l'homme puisse mettre pour lui la provision, hein? Disposer la voiture, mettre du carburant, tout. Mais la personne, l'homme. Et d'ailleurs, il y a des mariages où la présence de l'homme ne dit rien. La femme a plus besoin de ce que l'homme a. L'homme lui-même. Vérifiez. Comment vous vivez dans vos mariages? Comment vous vivez? Elle n'a jamais eu le temps de dire à son mari, chérie, je t'aime. Un câlin. Alléluia. Abenge, chérie. Ciao. Bisous. Oh. Alléluia. Amen. Au
aujourd'hui elle a un des enfants. Et pourtant elle s'est mariée. Les enfants vous ont trouvé avec ce système-là. Comment pour les enfants vous voulez briser le système? Ils s'en iront, vous allez rester toujours vous deux. Ils vous ont trouvé, ils partiront pour vous laisser vous deux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle préfère les cadeaux de l'homme, mais elle n'aime pas la personne en mobilité. Les chrétiens sont devenus aussi des grands machines. Nous voulons de ceux qui donnent, mais la personne de Dieu, on ne le désire pas. Tu peux dire je le désire, mais ce n'est pas à tes paroles. Parce qu'il a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre. Leur cœur est loin. S'il n'y a pas mariage entre ton cœur et ce que tu fais, rien. Alléluia. Il y a des ceux-là qui ont fait semblant. 5 ans dans le mariage, elle fait semblant par les paroles, je t'aime, je t'aime. Mais son cœur, au finish, tu vois, toutes ces années, je ne t'ai jamais aimé. J'ai toujours fait semblant. Je t'aime. Surtout les hommes. Surtout les hommes. 40 ans, il te nourrit d'espoir. Tu es ma poupette. Blanchisserie. Pressing. Tout. Quel mot je vais utiliser? Tu t'attendais à quoi? Et je te donne des mots. Tu connais le mot que tu as toujours utilisé? Laissez-moi avec mes mots. Tu es pressing. Tu es blanchisserie, boulangerie, voiture. Il nourrit d'espoir, mais pendant que son cœur n'y est pas. Autant qu'il peut dire à celle qui est à Massina, Pinet, blanchisserie, à Campins aussi, il a toi. Dieu a besoin des hommes. Pourquoi les gens s'amènent à l'église en décontent? Pourquoi les gens s'amènent à l'église avec légèreté? C'est parce que les hommes n'ont pas compris la valeur de la présence. Dieu, c'est le véritable roi. Le roi des rois. Le créateur incréé. Il mérite l'honneur plus que le gouverneur de ce monde. Il mérite l'honneur plus que le président de ce monde. C'est lui qui a le souffle de tout humain entre ses mains. Quand il décide de mettre fin, il peut mettre fin. Un gouverneur peut te défier. Dieu peut te protéger. Il devient capable de te toucher. David était poursuivi par un roi. Comme qui dirait un président. Avec toute son armée. Il recherche un individu. David était rien. C'était un berger. Maintenant, un président avec son armée, il commence à poursuivre un gamin de 18 ans qui n'a rien. Il n'a ni armée. Il n'a pas pu toucher cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant avait quelqu'un. Cet enfant croyait au suprême roi et fidèle créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a Dieu, le géant n'est pas géant ses yeux. Saoul avait peur. Ainsi que son armée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais un petit qui était dans la bourse. Dans la bourse. Il connaissait l'importance de Dieu. Il était accroché à Dieu. Il a vu les signes attestant que Dieu était avec lui. Quand le lion s'est levé, Dieu a terrassé l'ours par ses mains. Et devant Goliath, ce peuple qui n'avait pas Dieu, ce peuple qui n'avait pas cette présence, ils ont eu peur. Il suffisait d'un homme qui connaissait Dieu, qui savait l'importance de sa présence, qui croyait, qui savait que Dieu était avec lui. Écoutez le propos de David. Toi, un incirconcis, comment peux-tu défier l'armée du Dieu vivant? Saoul, ainsi que ses soldats,
par manque de la présence de Dieu. Ils ont même oublié la promesse qui est liée à leur vie. Ils ont même oublié qu'ils étaient l'armée de Dieu. Combien oublient qu'ils sont armés de l'Éternel en étant loin de sa présence. Aujourd'hui, les gens ont peur des sorciers. Papa, aujourd'hui, les gens ont peur même des mousselagetés. C'est qu'en grêlant, n'en parlant même pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un nom puissant. Tu l'utilises pour les cancrelats. Qu'on l'informe seulement. Cet enfant sorcier. C'est lui qui va jouer avec. Ouais, si j'ai. Pourquoi? Et pourtant, à l'école, lui, il s'en va. Il y a aussi des enfants sorciers. Le secret pour faire fuir un sorcier, c'est la présence. Frère, la présence nous sécurise. La présence crée une couverture. Ils ne peuvent pas déboucher. Ils viendront par un seul chemin. Ils s'en iront par plusieurs. Parce qu'ils vont rencontrer l'homme de la présence. L'homme de la présence, c'est l'homme l'Éternel désarmé. Je reprends, l'Éternel désarmé. Je pose la question. S'il arrivait que le président de la République s'amène à Campins, mon général, à vos ordres, il viendra seul. Vos salandés. Avant. Ça peut se préparer même une semaine avant. Ils vont envoyer des soldats en tennis civil pendant toute une semaine. Ils vont les éclairer, ils vont miner le quartier. Ils vont se déguiser en voyous des coins pour avoir des informations. Alléluia. Amen. Même l'itinéraire lui est communiqué. Il doit passer par Donc tout planifié. S'il veut la discrétion, il peut coopérer même avec les gens de la SNEL pour que au moment où lui il fait son entrée, hein? S'il est dans les quartiers, vous sentirez que si un humain il y a une force limitée, pouvoir limité, armée limitée, peur par sa présence dans un quartier, amener presque son armée à forcerie notre Dieu qui se nomme l'Éternel des armées. S'il habite chez toi, s'il est dans ta maison, s'il est avec tes enfants à l'école, son armée est avec tes enfants. Ils seront sécurisés. Vous avez peur parce que vous n'avez pas la présence de Dieu. Vous avez peur parce que vous ne désirez pas sa présence. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'écoutent. L'ange de l'Éternel campe. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous enseigne que la présence de Dieu vient par la louange et l'adoration. La Bible dit, il siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège. Dieu siège. Papa, qu'un intellectuel nous définisse siéger. Donc non seulement qu'il a assis, mais il exerce son autorité, son pouvoir, en décidant les changements, beaucoup de choses. Donc non seulement qu'il a assis, mais il exerce son pouvoir. Mais quand tu adores ou tu loues Dieu, tu occasionnes que Dieu puisse s'asseoir, qu'il puisse mettre son pouvoir en exercice. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Oh, c'est bon? C'est bon?
Amen. Il siège au milieu de louanges. Dans le peuple lève Dieu. Dans le peuple lève Dieu. Et l'adoration, c'est notre raison d'être. J'avais dit, il y a les prières centrées sur l'homme et les prières centrées sur Dieu. Les prières centrées sur l'homme, nous avons l'intercession. Les prières des démences, les supplications et autres. Mais les prières centrées sur Dieu, nous avons l'adoration et la louange. L'adoration, c'est reconnaître Dieu pour ce qu'il est dans ta vie. Adorer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est pour toi. Louer Dieu, c'est reconnaître les hauts faits. Les hauts faits de Dieu. C'est clair. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous devons faire attention avec l'adoration et la louange. Dans la Bible, le passage de Luc 4 nous fait voir l'importance de l'adoration. Je l'ai expliqué autrefois. Si le diable peut vouloir hypothéquer les richesses, le pouvoir, toute la gloire du monde au détriment de l'adoration, il a dit à Christ, la puissance, les richesses, à condition que tu puisses m'adorer. Et tous les jours, le diable combat l'adoration. Il veut que lui soit adoré à la place de Dieu. Et aujourd'hui, en ce temps de la fin, la statue est élevée. Tout celui qui s'agenouille, il n'est pas inquiété. Mais tout celui qui s'agenouille devant l'Éternel, il doit être inquiété. C'est ça le tableau eschatologique. Comme au temps de Babylone, Nebuchadnezzar est en train de régner. Je parle de ça sous Amen. D'une autre couleur. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, c'est l'image de Daniel et ses compagnons. La statue est élevée. Quiconque refusera de se prosterner devant la statue, il sera mis à mort. Mis à mort, ça parle de beaucoup de choses. Il sera jeté dans la fournaise ardente. Ça parle de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, que tu le fais ou pas, d'une manière ou d'une autre, il y a une statue qui est élevée. La statue élevée, c'est l'impédicité. La statue élevée, c'est l'occultisme. Aujourd'hui, pour avoir le travail, tu dois plonger ta main dans l'occultisme. Et ils n'ont pas honte. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. C'est une loi. On avait donné ça comme loi dans tout Babylone. Tout le monde devait s'agenouiller. Celui qui refuse, il aura affaire au roi. Et celui qui refuse de s'agenouiller devant le feu, de s'agenouiller devant les bois de nuit, de s'agenouiller devant les sirènes des eaux. Bien aimé, il y a une puissance maléfique terrible en ces temps. Il faudrait que tout enfant de Dieu fasse attention. Très attention. Je l'avais dit, vous savez que Mangengenge fait sortir des sirènes. Oui. Des sirènes de Mangengenge. Elles sortent à 1h, 2h du matin. Répandues dans toute la ville. Non. Et il y a des ceux-là qui vont même à Braza. Pour faire l'ambiance. Et à 3h du matin, ils célèbrent le culte. Pour cela, les anciens ambianceurs, ambiance na boîte, pardon? Ouais, les anciens, anciens, pardon? Ok, nous sommes appréciés.
après minuit, à 3 heures du matin. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils ne peuvent pas me contredire, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas? Là, on ne les pousse pas. Mais ici, quand on fait des appels de fonds, papa Carole, qui peut donner? Mais là-bas, sans appel de fonds. L'adoration. Alléluia. Alléluia. L'adoration, c'est quelque chose de meilleur et d'important. Très important. Dieu aime l'adoration. Le diable n'aime pas qu'on puisse adorer Dieu. Et il y a une chose qui trouble le diable. C'est quand tu adores Dieu pendant qu'il n'y a rien qui s'est fait dans ta vie. Alléluia. Il voulait donner les richesses à Jésus pour que Jésus l'adore. Mais le diable le trouve mal. Quand un enfant de Dieu qui a mangé le matin, qui a commis des difficultés, qui est malade, mais qui se met à genoux pour adorer Dieu, il a dit à Dieu, c'est Job qui t'adore. C'est à cause de ce que tu lui as donné. Et sincèrement, doter tout ce qu'il a, il va te renier. Il ne saura jamais t'adorer. Tu as besoin de Job ce matin. Tu as besoin de Job ce matin. Tu as besoin de Job. Job a perdu 10 enfants. Job a fait la 10. Et puis, c'est pas que après 2 ans, non, le même jour. Le même jour. Alléluia. Le même jour, tous les 10 enfants sont morts. Et le même jour, il a été malade. Alléluia. Il serre de la tête jusqu'au pied. Les mains sont comme ça. Pour être en l'air, tu dois être dans les cendres. Qui me sert à possible, non. Elle a dit à Job, attends, moi je suis témoin qui tu n'as jamais péché, Job. Tu as fait des sacrifices pour ces dieux. Tu t'es donné corps, âme. Tu faisais des offrandes. Voilà ce qui te paye. Injurie ces dieux. S'il va te tuer, qui te tue? Tu as raison de l'injurier. Je vais dire, tu parles en insensé. Tu parles en insensé. Bien que je traverse des moments difficiles, que fais dans ta vie? C'est un témoignage au vu des humains. Mais l'adoration, c'est un témoignage devant les puissances. C'est un témoignage devant les esprits. C'est un témoignage devant les principautés. 8 heures du temps de chasser les démons. Or, la meilleure façon de chasser les démons, sans mettre 1 heure, 2 heures du temps, c'est par l'adoration. Frère. Pourquoi? Selon la prophétie, nous rentrons en Genèse. Quand il s'agit de l'adoration, hommage, c'est prosterné. On parle d'un homme. Cet homme, c'est Judas. C'est l'Éternel sous ses formes. Mais quand on l'adore, il prend la couleur d'un lion. Il prend la forme d'un lion. Et on parle.
parle du lion. Qu'il a l'épée de carnage, papa. Ça veut dire quand tu adores Dieu, tu occasionnes le carnage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pourtant, il y a un passage qui dit, invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Hein? Invoque-moi dans la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. David a vaincu. Quand il a vaincu, quand il revenait avec l'épée du carnage, le peuple s'est mis à crier que 10 000 soient pour David, 1000 soient pour Saul. Il reçoit l'adoration. Dieu entre dans ton combat. Frère, tu peux être oppressé. Prends tout ton temps. Adore Dieu. Tu verras des choses. Vous savez pourquoi le diable aime clouer cette vie d'adoration dans l'église? Parce qu'il sait que l'adoration, ça fera la force des chrétiens. Une église qui n'adore pas, c'est une église qui ne connaît pas Dieu. Une église qui connaît Dieu doit passer du temps dans l'adoration. Alléluia. Avec le docteur Guy, on prenait du temps à prier. Papa, on priait pour que Dieu nous donne quoi? L'adoration est ce qui fera de nous qu'on soit des canaux par lesquels l'autre Torah va passer. On l'élève, on l'a. Se sert de nous afin que l'eau du torrent puisse bénir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut organiser des retraites d'adoration? Personne ne viendra. On va donner les intentions de prière cette semaine qui commence. On va prier pour tous ceux-là qui ont les cas de voyage. Vous ferez. Dieu, il va donner le visa. Mon frère, c'est 28 témoignages. Frère Christian, passe, témoigne. Daddy a prié pour moi. Voici le visa. Il a le visa. Et si, papa, mon passeport, elle a prié. 4 jours à sec. Elle va faire 4 jours à sec. Qui a déjà fait 4 jours à sec pour adorer celle-là? Sois sincère. Une journée à sec pour adorer. Adorer seulement. Tu n'as rien dit d'autre. Adorer seulement Dieu. Tu n'as pas prié. Seigneur, jette ton regard. Tu seulement l'adoration. Parle du jour. Qui? Dans l'église, on chante une chanson d'adoration. Vous n'êtes pas seulement vous, les amis. Tous nous sommes nos chants. Vous devez être à même d'adorer sans introduire des demandes dans vos chansons. Vous, si tu cultives la vie d'adoration, frère, le véritable lion va s'élever dans ta vie. Il entrera dans ton combat. Moi, je l'ai expérimenté. Papa, pendant les vacances, on nous avait amené nos cousins. Ils sont venus après un mois. On a senti que dans la maison, rien ne marchait. Chez Caminois qu'on était, tous les mois, on nous donnait le quota. Chaque mois, parce que j'ai quand même donné 4 sacs de farine chaque mois, de 50 kilos. On mangeait plus de 3 fois chaque jour. Alléluia. Amen. On étudiait gratuitement. L'hôpital aussi. Les soins médicaux aussi. À l'hôpital, et maman faisait des petits commerces. Maman, elle avait un fonds.
Quand ces enfants sont venus, elles ont bloqué tout, frère. Elles ont bloqué tout. Qu'est-ce qu'on a remarqué par rapport à nos petits frères? Il y avait comme des petits boutons qui leur sortaient aux mains et aux pieds. Alléluia. Et les mapalata, ils me sangent. Donc la situation était bizarre dans la maison. On sentait qu'il n'y avait pas la vie. Maman se plaignait. Catholique elle était. Moi à cette époque-là, une cousine m'a ramené dans les églises de réveil. On appelait à l'époque les Binzambezan. Alléluia. On a prêché et on nous a dit prenez du temps, adorez Dieu chaque soir pendant 2 heures. Cette prédication m'avait marqué. J'ai pris la décision de faire 2 heures d'adoration. Papa, le premier jour, je me suis mis à adorer. J'ai entonné des cantiques. J'ai chanté. Mes petites soeurs et petits frères sont venus. On a adoré le premier jour. Nous nous sommes endormis sous l'adoration. Le deuxième jour, nous avons encore adoré pendant 2 heures. Le troisième jour, nos cousins ont fui la maison. Maintenant, on s'étonnait. Ils mangent. Pourquoi ils peuvent s'enfuir? Nous sommes mis à rechercher ces enfants. 2 jours après, on les a retrouvés. Quand ils sont rentrés à la maison, j'ai posé la question de savoir pourquoi vous avez fui la maison. Écoutez la réponse. Maintenant, bébé spirituel que j'étais, donc ça m'a étonné. Gai, alléluia. Amen. Les enfants insistaient. Je nous fouette tous les jours. J'ai appelé ma maman. Maman, est-ce que vraiment dans cette maison, vous m'avez vu fouetter ces enfants? Alléluia. Le deuxième, Ali Mbole Libiso bien. Pour dire que tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas le fouet physique dont on parle. Et il a dit, nous sommes des sorciers. Quand maman prie, en tout cas, c'est un témoignage vrai. J'ai dit ce qui a été dit. Quand maman prie avec ces trucs de chapelet, alléluia, on l'étouffe, on l'envoûte. D'ailleurs, quand elle commence, nous on commence à l'envoûter. Alléluia. Et donc, ils sont en train d'expliquer textuellement ce qui s'est fait. Quand elle commence, après 15 minutes, elle s'endort jusqu'au matin. Vrai. Maman avec son chapelet, elle peut être au salon. Bota la filmé, gars. On l'a mis d'habitude. Après. Jusqu'au matin. Tu n'attends. Tu l'as rêvé? Je suis en train de prier. Tu es en train de prier? Non, j'ai prié. Et ils opéraient ainsi. Mais quand je me suis levé avec l'adoration, papa, je ne connaissais pas bien prier, mais j'adorais seulement en adorant, louant Dieu. Quelque chose s'est fait. C'est pourquoi moi, je ne peux jamais négliger l'adoration. Parce que j'ai vu les sorciers témoigner et l'adoration devient fouet dans leur camp. Bien aimé, il a soulevé sa chemise. On a eu peur. Papa, quel squelette! Vous mangez tous les jours. Mais les fouets. Ça me torture. Tu passes ton temps pour rien. Je les lis au nom de Jésus avec les femmes. Au nom de Jésus, tout. C'est bien. Mais la meilleure, c'est l'adoration. La louange et l'adoration, ma soeur. Applique-toi la louange et à l'adoration. Ça ne fera pas un mois. Dieu va répondre à ton problème. Amiel est morte.
pendant que nous étions en retraite de 21 jours. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais troublé parce que je suis humain. Je cherchais les voies et moyens pour fuir. Ce jour-là, le Seigneur a permis que tous les coulounaires de Yolo Nord soient en face de l'église en train de manger les beignets. Quand j'ai ouvert la porte, si on criait seulement, c'est fini. Ils vont piller l'église et c'est fini. Alléluia. J'ai senti une voix qui m'a rappelé ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Alléluia. Amen. Toute personne que je mettrai sur ton chemin, continue sur tu es un canal de bénédiction et non pas un canal de mort. Vous pouvez la récupérer. Alléluia. Amen. J'ai posé la question à maman, l'infirmière. C'était maman qui irait. J'ai oublié son nom. Maman Claudie. Maman Claudie. Alléluia. Amen. C'est bon, il y a le signe de vie. Ah, Patia, tu étais la maman. Bien. Papa, ah, elle a confirmé qu'il n'y a pas de signe vital. Attends, elle est j'ai touché la sœur au pied. Le Seigneur me parle à l'intérieur. Mais j'ai touché le pied. Il y a Gingawa. Après, non, Dieu est merveilleux. Frère, qu'il y a notre Aliban. C'est un Mazaka. L'Esprit m'a donné la force. Pour dire, vous pouvez prier. Elle reviendra. Ah, papa, voyant, sœur, moi, que ça va bien. Je vous dis, frère, je me suis concentré. Seigneur, tu as mis un ton à moi. Le ton de la vision. Montre-moi ce qui se passe. Et le Seigneur a dit, ils sont en train d'amener son esprit. Priez. Papa, on a limité. On a récupéré l'esprit. On a prié pour récupérer son esprit. Après, Dieu a donné une orientation. Par maman Nicole, la femme de papa Igo. Adorez le Seigneur. Papa, j'ai entonné. Quand on a commencé à adorer Dieu, on ne l'a pas imposé les mains. La fille qui était morte, elle a réagi. Adoration matin. Ces jours-là, on avait adoré. Allez, je me souviens, c'était à l'époque où à Bordeaux. Papa Jean-Paul était ici à Kim. Papa Jean-Paul à Zakar. Je l'ai appelé. Papa Jean-Paul. Papa Jean-Paul. Ici on a un problème. Attends, pendant qu'elle était morte, j'ai appelé Amiel à Koufi. Venez avec la voiture pour voir à quel moyen on peut faire sortir le corps. Arrivant à l'église, ils ont trouvé que nous étions en train d'adorer Amiel à réprimer. Amiel à Sétoli. Hé papa, Zamba épargné. Alléluia. Et pourtant, Dieu avait déjà répondu. On l'a pris, nous sommes partis à l'hôpital. Moi à l'hôpital en train d'intercéder. Le frère à l'église en prière. Maintenant arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer l'hôpital. L'hôpital en Ekoufa, tel que Dieu avait dit. Il y avait des choses. Les hôpitaux. Il y a des choses, frère. Dieu m'a montré, papa. L'hôpital Licolo, mais en bas, il y avait des cages sataniques. Ou quand tu amènes quelqu'un à l'hôpital, on le récupère à partir. Avant d'amener quelqu'un à l'hôpital, prends le temps de prier. Que le Seigneur vous oriente. En bas, allez mourir ici. Le Seigneur m'a dit, prends-le. Mets-le dans ta chambre. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma chambre. Alléluia.
Elle est dormie sur mon lit. On a prié après. On l'a remis au salon parce qu'il fallait qu'elle soit au salon. À un endroit aéré. Donc, elle nous a conseillé qu'on puisse l'amener à l'hôpital. On a pris la voiture. Arrivé à l'hôpital. Alléluia. On intercédait. Quand elle s'est réveillée, elle a dit ceci. Comment je suis arrivé ici? Mais moi, je suis dans la chambre de Dad. L'esprit a parlé. Vous dites, il cherchait son esprit à l'hôpital. Mais le fait que tu l'as déposé sur ton lit, j'ai gardé son esprit sur ton lit. Vous étiez parti avec un corps vide à l'hôpital. Les gens qui l'a cherchaient, ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont vu le corps. Mais cherchant l'esprit, ils n'ont pas trouvé l'esprit. Quand ils ont abandonné, l'esprit est revenu. Ça s'est fait à Refidim, frère. À Refidim. L'adoration, l'adoration, frère. L'adoration. Dieu entrera dans ton combat. Tu es oppressé. Ça ne va pas. Il y a des situations compliquées dans ta famille. Des situations bizarres tout autour de toi. Ce matin, Dieu te livre un secret. Dieu te livre un secret. Quand ils se sont mis en accord, l'accord des instruments et l'accord des paroles qui s'élevaient, la nuée est descendue. Écoutez, peuple de Dieu, à chaque fois que nous chantons, il doit y avoir harmonie. Alléluia. Vous pensez à cette opportunité, mais tu sens qu'il y a des choses. Amen. Amen. Mon cher. Non, frère. Amen. Les adorateurs. Amen. Quand vous chantez en ordre. Il doit y avoir accord des instruments et des paroles. Tout doit s'harmoniser pour faire descendre la gloire. Là, il descend. Quand il descend, frère, il descend sous forme du lion. Le lion est le roi de tous les animaux. Par rapport aux Écritures parlant des animaux, nous voyons les esprits. Dieu est le chef de tous les esprits. Il coordonne tous les esprits. Il est le roi de tous les esprits. Quand lui s'élève, aucun esprit ne peut bouger. Aucun esprit. Même l'esprit de ton grand-père, ça ne peut pas bouger. C'est pourquoi, par son esprit, nous pouvons chasser l'esprit de ton grand-père. Nous pouvons briser le mariage de nuit qui t'a fait contacter au nom de Jésus. Nous pouvons ordonner à la maladie des ténèbres de quitter ton corps. Ça va obéir parce que nous agissons en ayant l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit supérieur. Nous avons l'esprit du lion. Vous savez pourquoi? Israël a eu la victoire par rapport au combat de Goliath. Isaïe avait trois fils au camp. Il a envoyé le quatrième fils. Or, notre Dieu est un Dieu de couleurs et de chiffres. Quand David venait comme le quatrième fils, il célébrait Jida. Or, Jida, c'est un jeune lion. Il est venu avec l'épée du carnage. Goliath ne pouvait pas tenir parce que la louange est venue. La louange est venue. La louange est venue. Je peux dire ceci. Saoul a occasionné que la louange soit en première place. Saoul a permis que la louange combatte Goliath. Quand la louange te lève, Goliath tombe au nom de Jésus. Amen. Saoul, c'est toi et moi. Donne de la place à la louange. Donne la place à l'adoration. De combattre les gens qui s'élèvent dans ta vie. Quand la louange s'élève, l'homme du millier est là. L'homme du millier est là. L'homme du millier est là. Il va donner la victoire. Il va donner la victoire. David a dit, je te combattrai au nom de l'Éternel. Je te combattrai au nom de l'Éternel. La louange et l'adoration.
C'est pas quelque chose à blaguer avec. Donne de l'importance à l'adoration, mon frère. La maladie. Tu es malade. Je te donne un secret. Rentre chez toi. Entre en prière. Ne demande rien. Adore Dieu. Dis à Dieu, j'ai compris le secret. Saoul, avec son expérience, il ne pouvait pas combattre Goliath. Mais quand il a élevé la louange avec. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Yahweh apambola l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut les louer? Hein? Est-ce qu'on peut les louer? Tous les bacans milicolo. Faut changer ma soeur. Faut talana. Bata chimpompi, vous êtes là, non? Hein? Et yindaramba mort. Frère! Au petit babo côté de Bengani Oliba. C'est aussi si aux ongles. Nous sommes tous debout. Dis d'abord merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Raba santa baba. Renda ma honte. Kema raba santa. Canta ma baba. Chanta ma rouge. Il y a des choses, des autres. Alléluia. Yes. Dieu là. Dieu là. Dieu là. Luba meli. Kombo na yo. Yonde. Boko ti. Yahi. Elle a d'abord. L'honneur, la puissance, qui est comme toi le roi compatissant, le véritable rocher, toi, mais c'est toi,
les créateurs de ciel et la terre, nous te couronnons ce matin. Nous sommes te couronnons parce que tu le mérites, Seigneur Dieu. Reçois l'honneur, la puissance, ô roi de roi. Là, c'est sorti par chaque nuit. Il y a un feu au milieu de nous. Il a montré que l'eau jaillit du quatre coins. Nos mains levées. Nos mains levées, frère. Ferme tes yeux, ma soeur, mon frère. Il y a quelque chose. Il se lève avec sa puissance. Tous nous sommes debout. S'il te plaît, sois debout. Tes mains levées. Le sang d'Israël, il est là. Il a ne dis rien. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains, sois très concentré. Il y a quelque chose que Dieu veut opérer dans ta vie. Malasi yango yotoye koso panase. Yoko yembate. Kimia, tombo la kama bokonane. Ton adoration est à malasi. Malasi yango yotoye koso panase. Il y a un climat qui règne. Malasi yango yotoye koso panase yamakolo na yo. Ikaboya motemana ga yesuwe papa. Melodie aloye mbona ga. Malasi yango yotoye koso panase yamakolo na yo. Eloko bokwezo salaba.
malasi yango yo toye kosopa na se ya makolo na yo likabo ya motema na nga yesu we papa melodi ya loyembo na nga yesu we papa tata milele tata milele yawa ah Hata milele Hata milele Hata milele Il y a un feu au milieu de nous. Il y a un feu. Un feu qui règne, qui se manifeste. Non mais levé. Quand il s'élève dans l'adoration, il vient avec la puissance de la libération. Il vient avec la puissance de la libération et de la guérison. Alléluia. Jésus. Jésus. Il y a un feu au milieu de nous. Il guérit. Il guérit. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir, je vous dis. Il s'élève avec sa puissance. L'homme du milieu. L'homme du milieu. Il est avec son épée de carnage. Il est avec son épée de carnage. Goliath tombe ce matin. Tu as élevé la louange. Il est là. Il est là. Il est là. Ciao Laza. Wondorobo yababi yamao ken. Ciao Laza. Yamao. Chaud. Jésus. 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 C'est qu'on a sécoré. Yesu de champion. C'est qu'on a sécoré. Yesu de champion. Nabitumba Seliba. Yesu de champion. Nabitumba stérilité. Yesu de champion. Nabitumba blocage. Yesu de champion. Champion toute catégorie. Champion toute catégorie. Champion toute catégorie. Champion toute catégorie. Kimia. Seigneur Jésus, nous t'élévons en ce moment. Nous t'élévons, Seigneur Jésus, parce qu'il fallait que les mouvements que Isaïe avait fait dans sa maison avec David, David puisse répéter la même chose. Tu as instruit, ô Dieu, à ton peuple. Et la force, c'est l'adoration. La résurrection, c'est l'adoration. Les mariages, c'est dans l'adoration. Notre tout est dans l'adoration. Béni soit-il parce que j'ai foi. Et les taureaux du sanctuaire est en train de répandre son nom. Et que ces taureaux du sanctuaire amènent nos cœurs, au Dieu de part dans le cœur des anges. Afin que notre adoration soit le reflet de cet amour que tu répands dans nos vies. Malasi yango yo na ye kosopa na se ya makolo na yo. Malasi yango yo to ye kosopa na se. Ikaboya motema na. C'est lui qui amène à l'existence des choses qui ne sont pas. Mélodie à l'oyembo ya. Rien que par les simples mots de ta parole. Yesu niwa. Ata milele. Sois béni, Seigneur Jésus. Ata milele. Sois béni parce que tu es Dieu. Milele. Sois béni parce que tu es le lion de la tribu de Juda, qui est digne de recevoir les hommages de tes frères. Nous sommes tes frères. Nous nous prosternons, tendre Père de gloire, devant ton trône. Alléluia. Parce que tu le mérites. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde de t'acclamer. Alléluia. Mais c'est un refus de t'acclamer. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons avec des cris. Alléluia.
Jésus. Nous ne t'acclamons pas parce que tu es seulement aujourd'hui. Nous t'acclamons parce que tu es en âge, tu es Dieu. Jésus. Jésus. Sois acclamé, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois acclamé, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que je vois les célibats invaincus. Je vois les maladies sont vaincues. Je vois les crises de sécheresse sont vaincues. Oh, l'agneau de Dieu. Nous t'acclamons. Et dans le monde des esprits, ils attendent les bruits de ces acclamations. Même dans nos familles, ils attendent l'acclamation de ce matin. Les ressuscité le troisième jour. Alléluia. Nous avons compris. Alléluia. Nous avons compris. Alléluia. Le pourquoi il tu avais dit à la femme samaritaine. Il s'agit de toi, le l'heure vient pour les vrais adorateurs. Il est question aujourd'hui que l'ensemble chrétien montant de Réphilim comprenne que c'est un ensemble des adorateurs. Où l'adoration amène les réponses, où l'adoration amène les miracles, où l'adoration chasse les sorciers, où l'adoration amène que la stérilité soit chassée. De la même manière que tu avais montré, pendant que ton serviteur, pendant qu'on chantait aussi, il y avait dans les quatre coins de ces lieux, l'eau qui jaillissait au milieu de cet ensemble de valeurs. Laisse que cette eau puisse toucher, Père de gloire. Amen. En vertu de l'alliance que tu as traitée avec cette assemblée. Que cette eau puisse jaillir encore davantage. Que le monde du cheville, aux genoux, jusqu'à ce que nous soyons tous inondés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois élevé parce que tu es ce Dieu qui marchait sur les eaux pour témoigner qu'il était le seul capable. Amen. Mais comme tu ne pouvais pas marcher seul, tu avais récupéré Pierre. Amen. Tu marches avec lui. Amen. Afin que lui aussi soit élevé là où tu es. Amen. De la même manière que tu es élevé, de la même manière aussi ce matin, ton peuple est élevé. Amen. Est élevé dans l'adoration. Amen. Où les esprits n'ont plus de pouvoir sur eux. Amen. Les liens de famille sont tombés. Amen. Non parce que nous te l'avons demandé de chasser, mais plutôt parce que nous avons compris c'est dans l'adoration. Amen. Que cela soit ainsi. Amen. Nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Amen. Ça doit être notre vie, l'adoration. Amen. J'aime ce Dieu, il est bon. Il est merveilleux. Dieu a parlé à plusieurs personnes au milieu. Qui a écouté la voix de l'Esprit? Tu as écouté la voix de l'Esprit. Dieu a montré qu'il y avait de l'eau qui jaillissait des quatre coins. Et un feu nous embrasait. Amen. Il y a de ceux-là que Jésus a donné des recommandations. Elle a écouté la voix de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Peux-tu acclamer ce Jésus? Protocole. Peux-tu acclamer ce Jésus? Peux-tu acclamer ce Jésus? Je parlais d'acclamer Jésus. Je disais acclame Jésus. Randaraba au Laza. Chokontokoroboyamababa au Lababia Bouche. Champion toute catégorie. Il a combattu avec le célibat. Il a vaincu le célibat. Il a combattu avec la mort. Il a vaincu la mort. Il a combattu avec les liens de ta famille. Il a vaincu les liens. Il a combattu avec les basses. Il a vaincu les basses.
Il a combattu avec toute maladie. Il a vaincu. Il est le vainqueur de Golgotha. Le vainqueur de Golgotha. Shalom, shalom, shalom. Balinga mikati nankolo, bipai nyonso bozola ndabiso. Bino bandeko nyonso yo. Bopambo la maka nanzela mate ya tomemela bino. Eza na internet, eza na ba media nyonso. Bino bundimela Yesu Christ, soutenak evangile na ye. Nkolo apambo la bino. Na ye, ko profite na opportunite yo kona tina ko pambo la mwa ya juye. Eza la mwa ya grâce. Eza la mwa ya kimia. Moi à bénédiction, moi à essengo, moi à puissance, moi à bofouan, moi à grandeur et à stabilité. Moi à kosimba et la kanzambe na maboko. Bikanke mon anzambe petato la ke azana bomo. Na kombo na Yesu Christ. Et le rognon se pourrait que telemelayo. Et longa yote. Yo longa na kombo na Yesu Christ. Alors, ba lingamikati na nkolo, tu es pas inabino parce que. Assemblée chrétienne montagne à Refidim, et ça n'a pas besoin d'un abisso. N'a pas besoin d'un abisso pourquoi? Bipa et Tozali, Bapé Sibiso Dele, Tokokako, Tike Sika, dans 15 jours. Tout ça va être contraint à Mama Yamukolo et Sika. Indenge, après sa personne Zela, tu évolues pendant un temps. Mais ça, qui a informé à moi, n'a été que assez à Tia Église dans le Pang. Alors, moi, crédit, d'après l'explication de la maman, j'ai crédit pour aller à Tonga, crédit sur 100 000 dollars. Alors, j'ai eu un billet et j'ai mobilisé l'équipe d'ingénieurs pour que j'aille au Salamissal. La maman était en Afrique du Sud, tant qu'elle a commis, elle a eu le 30. C'est le 30 qu'elle nous informa que d'ici le 15 juillet, il faut misaler Banda. D'où l'église et Sengeli et Koka, Kolongwa. Donc, tout le monde, tout le monde est ici. Mais, na ko kanisa mingi tolobi, si faut tout le monde est ici, na tango, tozwa esika api, pour que tout le monde est tonga, et tout le monde est ici, to tongi. Bon, si je suis un peu plus grand, il faut que je me opération achat parcelle, et c'est le qui est moi. Ok. Je vois que c'est une opportunité pour que tout le monde se mobilise en tant que banan en Zambé pour que nous soyons en train de se faire. Mais si nous avons une place, ça peut nous prendre du temps. Nous avons une place, 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 nous avons Yami balé zali, non va sombite, et souka a pris ba pesa ki zali 190 000 dollars. Bisso na ba collègue déjà to bandaki awa, to aussi to komi déjà dans les 3500 dollars. Alors, ko longola na 190 000, 3500, et zotika la biso presque 186 000 dollars ou 186 500 dollars. Oyo toko yiko baki sa pwete toko kako sombe sika neze sika kitoko neze sika malamu pe un endroit vraiment e bongi na musala nzambe. Alors to ye pa na bino pona kosenga med association kosenga soutien na bino en rapport na ba écriture nenge zoloba na Exode 25 à partir ya verset 1 ti na verset 3 auto kiti na se nzamba lobi na Moïse: construis le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Nzamba pese Moïse vision, il connaissait le modèle du tabernacle. Mais matériaux pour na kotonga tabernacle, nkolo akiti sango likolote. Alobi na Moïse va au peuple, dit au peuple d'offrir à Dieu avec un cœur ouvert, un bon cœur. Abi batunyon so bazana motema malamu ba bonze langai. Et biloko bako bonza bozwango botongela na tabernacle. Si on parle du tabernacle aujourd'hui, et tikala ti ekota na histoire parce qu'il y avait un peuple qui avait un bon cœur oyo bayeba ki ko bonza pour être tonga ko bonza pour être tonga lelo yo eza sous tabernacle ya Moïse te
les alli temple pour natina ko adorer le grand roi oyo to kumisaka oyo to ndimela baba Christ to zé belé obolinaka Yesu Christ bo sepelaka pe na ko soutenir misala nzambe ezala osa o partageaka même fois na bisoté mais tu as un cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu ezaba ndeko mususu ke na na église té mais makambo ya nzambe a hésiter à te ponati na ko contribuer to ye ko tendre le boko vers vous pour être Exode 25 pe ko kisama na cadre ya Refidim Refidim comme étant le tabernacle parcelle ya Refidim comme étant le tabernacle et singe offrande na yo pour être to ko ka ko tonga offrande na yo eza 1 euro na yo 10 euro na yo 20 euro 10,000 euros, 100,000 euros, nyonso yo moni ko iko pesa. Parce que ceux qui biso nyonso ba Christ to iko se mobiliser le rôle à moto moko. Pona makambo etali, bosomi mapango ya l'église, eza solo. Nous croyons que par l'aide du Seigneur, l'église est comme stable. Parce que le loyo, ko sa l'anzame la ba condition, le loyo ba longo li bino bo kiawa, eza na bandi mousousso yo pe, kondimane ko tout sama. Alors, appel les a lancé par Inayo, Moutou a moté ma malam, le rôle en Exode 25, Yako soutenir œuvre en Zambé, Zambé a osan zate, copa molae, Zamba pambola bino, bipa yon sobolan dibisou. www.casarima.fr